Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 39 de Super Mario Odyssey. Ça va pas vous surprendre, mais on va faire la Moon Rock du pays du lac cette fois-ci. Et normalement, ça devrait être un peu moins long que les précédents. Il me semble qu'il y a beaucoup moins de lune ici. Maintenant, peut-être que je me trompe. On avait 33 à la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc on va juste en avoir 42. Voilà, c'est un peu plus tranquille cette fois-ci. Et sans plus tarder, commençons avec ne pas parler à Luigi. Commençons avec la course Koopa. Hop, évidemment, faut toujours passer par là, c'est beaucoup plus simple. Hop. Voilà, et après je sais pas si je vais perdre du temps ou pas en nageant comme ça. On va voir si ça peut être une bonne stratégie pour la course. Pour l'instant ça a l'air d'aller, vu que je suis toujours premier maintenant, on ne sait jamais. Voilà. Ta-ta-da! Bon, celle-là elle est facile si vous connaissez le raccourci que j'ai pris, je pense. C'est vraiment... Et il n'est pas spécialement difficile à prendre, il suffit juste de bien gérer son triple saut. Mais... Hop là! Voilà, je suis l'expert du pays du lac maintenant. Ouh, il doit avoir un moonpipe pas loin. Parce que je vois un petit 2. En effet, il est là. Oula! Et ça me dit quelque chose cet endroit. Non, ça me dit rien. Enfin, ça me dit quelque chose, mais ça me dit pas quelque chose parce qu'on l'a déjà vu. Ça me dit quelque chose parce que je l'ai. Enfin, je me souviens d'y avoir joué ou de l'avoir fait en vidéo. De l'avoir vu dans une vidéo ou dans un stream. Mais je pense pas qu'on ait déjà eu une variation de cette salle. Je sens pas en tout cas. L'avantage des grenouilles, c'est qu'elles font pas descendre les... Grenouilles, qu'est-ce que tu fous? Grenouilles. D'accord. J'ai eu un peu peur parce qu'elle avait l'air d'être bloquée sur le bord de la plateforme. Ce qui était assez bizarre. Oh! Bon, alors, il y a une lune là-bas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment obtenir l'autre lune. Ah ben, il y a une clé. Je pense qu'on a la réponse. Hop. J'ai essayé de le faire avec la grenouille, sans la grenouille, mais ça semble un peu compliqué quand même. Voilà. On peut abandonner la grenouille dans ces situations-là parce qu'il y en a une autre qui attend. Et maintenant, d'aller chercher la clé, ce qui risque d'être un peu plus compliqué. Bon. Je pense que c'est peut-être plus dur d'aller dans le sens de la vague que dans le sens inverse. Ok, ça va. Faisant face aux vagues et poisons. Oui, je leur ai fait face comme un homme. Enfin, comme une grenouille, mais quand même. Voilà.
Alors, il y en a. Bon, t'as une tronche d'être là. Une lune de Moonrock, toi. Et donc ici, il y a l'escalier, j'ai même pas besoin de faire le triple saut d'avant. Bon, j'ai deux Goombas, c'est... Deux Goombas qui se sont désintégrés au contact de l'eau. On va essayer avec eux. Voilà, parfait. Mais c'est les Goombas, ils vont rien vous faire. Bonjour. Pendant un moment, j'ai cru que la lune était déjà prise. Mais non, en fait. C'est parce que elle est très pâle, en fait, de base. Bon, alors, on a encore quelques unes dans cette zone-ci. Et bien, il y a une lune qui est enfermée, là. Qu'est-ce que tu fais enfermé? Voilà. C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Ok, d'accord. Non mais... Non, non, c'est pas ça non plus que je voulais faire. Que se passe-t-il? Oui, alors, voilà ce qui va se passer. Je vais aller essayer de voir. Il y a apparemment une lune ici. Ça a sûrement rapport avec ceci. Ok, non, ça a pas rapport avec ceci. J'ai rien dit. Ça a rapport avec ce machin. J'essaie de me mettre dessus, mais je sais pas si c'est possible. Oui, voilà. Il a voulu se remettre sur le truc, mais ça ne va pas. Je vais attendre que les oiseaux reviennent. Et je vais essayer de les avoir. À ce moment-là. Et toi, toi ? Ton texte m'empêche de voir l'oiseau. Voilà. Bon ben tous ceux de cette partie-ci sont faits. Hop, on peut passer à l'entrée du dôme du lac. Voilà, l'entrée du dôme du lac. Une lune comme ça en l'air, allez. Saut en hauteur, voilà. Donc il reste juste ces deux là. Alors allons à la terrasse pour voir. Ah ah, je vois quelque chose qui brille là au-dessus sur ce pilier. Est-ce que cela pourrait être... Et oui. Donc maintenant il ne reste plus qu'une lune. C'est celle près de l'entrée du dôme. Peut-être qu'il faut plonger. C'est peut-être ça. Donc je vais aller chercher un chip-chip parce que sinon ça va mal finir. Allez, allons-y. Elle est là. Voilà.
au fond du lac. Et sur ce, les 9 lunes ont été obtenues. Le pays du lac est complété à 100%. Et ça va donc être la fin de l'épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Que ce soit le cas ou pas, je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous retrouve dans l'épisode 40 de Super Mario Odyssey.